Also, wir sind jetzt hier in Gent in der St.-Peter-Station und bemerkenswert die Details, die im Bahnhof zu sehen sind. Zum Beispiel das Flügelrad an der Säule. Was auch sonst. Festival. Ja, da fahren wir. Nur unter der Woche kommen. Ja, ja. Ich habe die Woche. Ich arbeite in Köln. Ah, ja, ja. Und ich war an dem großen Beta, das ist ja da ist eine Plattische Werte. Ah, ja. Da war ich da gewesen. Da habe ich eine mitbekommen. Ah, ja. Teilweise war das gut. So, das ist jetzt Lille. Mit der schönen alten Bahnhofshalle. Das ist jetzt die unterirdische Endstelle der Straßenbahn im Bahnhof von Lille. So, und gleich fährt die Straßenbahn nach Tour. Na, und noch was auf. Ich hatte eben Probleme.
Mein Herzschlag ist ein Bild zu sehen. So, das ist jetzt das Straßenbahndepot in Lille. Und zu sehen ehemalige Wagen der Bochum-Gelsenkirchen- und Vestischen Straßenbahn. Und hier noch ein Museumswagen zu sehen. Mit dem wir vermutlich heute noch fahren werden. Hier noch ein Zweirichtungs-Vierachser. Recht selten für eine Straßenbahn sind doppelte Kreuzungsweichen. Dazu noch zwei hintereinander im Depot von Lille. Ebenfalls nicht ganz alltäglich sind drei Wegeweichen. So. Und hier ist die ganze Bande zu sehen, die einem heute wieder Leben sauer machen wird. So. Also hier noch ein paar Details von dem Museumswagen. Der angeblich nicht mehr fahren kann wegen neuer Schienen. Näheres wissen wir allerdings auch nicht. So, in der zweiten Halle noch vierachsige Wagen der ehemaligen Vestischen Bahn. So, im Depot von Lille auch noch dieses interessante Arbeitsfahrzeug. Herkunft allerdings unbekannt. Also automatische Kupplungen sind bei den Duewag-Fahrzeugen auch nicht immer vorhanden, wie man sieht. Hier also zwei Fahrzeuge mit Albert-Kupplung verbunden. So, jetzt nochmal ein Blick aus der Halle. Hier noch abgestellt ein Gelenkwagen. Sowie ein zweiter im Hintergrund der Halle. Dieser etwas altertümliche Bus hat uns vom Bahnhof Lille zum Depot gebracht. Und weil es so schön ist, nochmal ein Blick auf das historische Fahrzeug. So, das war's. Hier zu sehen der Wagen mit der Nummer 303 auf der Arbeitsgrube. So, Verhandlungen, wie es denn hier jetzt weitergehen soll? Ah, eine Haltestelle im Parc Barbieu, das ist ein großer Park, ein großer Garten in Hubei. Okay? Also müssen wir jetzt von hier abfahren. Ja, ja. Gut, dann sagen okay? Wir uns. Okay, also die 399, die wir nach hier bekommen. So, das ist jetzt das Depot in Lille nochmal. Die richtige Seite erwischt, das gibt es ja gar nicht. Super. So. So.
so, man kann ja gar nicht zur anderen Seite rausfahren. Ja! Voilà, ça me dérange pas, vous pouvez la laisser si, mais le cœur n'est pas encore. Est-ce que monsieur peut laisser sa caméra? Ah oui, il n'y a pas de problème, ça me dérange pas. Pas de problème, voilà, bon, tu vois le feu, regarde. Donc le feu orange, il autorise et il dégage à bouger, tu vois. Ils vont à la même vitesse que le tramway, mais ils passent à tous les feux verts. Voilà, tu vois, eux, ils sont en attente. De bus, ouais. L'aiguillage va changer. Mon chauffeur de bus, il s'appelle Gilles Rare, et il conduit un bus Brunel, qui nous conduit à Cassel. Et comme ça, lui, il nous profite pour avoir les feux verts, et sur les tramways. Alors là, il y a un arrêt ici pour notre bus, c'est juste ici. Après, il y en a avant, c'était à Saint-Maur. Après, ce sera les Trois Suisses. Trois Suisses, c'est tout. Voilà, c'est pour l'instant, on n'a pas eu le feu. Il y a que là qui va nous. Il va nous mettre vert. Vous comprenez quelque chose? En allemand. Bon, après ça va changer le temps moyen, c'est la vraie chose. Alors tu vois, regarde l'aiguillage ici, donc il va falloir s'arrêter et faire une commande. Donc on a un émetteur, c'est un mieux sur le tramway, regarde. Ici, donc, tu vois, on s'arrête, d'accord. On a un émetteur ici, voilà. Ouais, c'est petit. Voilà, l'aiguillage est fait sur le tramway. Et après, dès que vous repartez, le truc sur le... On ne peut pas tourner l'aiguille en marche. On peut la faire manuellement, mais là, bon, on a une commande donc avec un émetteur. Oui. À savoir qu'à bord du véhicule, on a deux types d'émetteurs. Hein. On a des 28 MHz et des 42. Ah bon. Donc ceux qui sont en commande manuelle, c'est des 28. Ah bon. Ouais. Donc là, on fait une commande du poste. Hein. C'est pratique ça pour coller. C'est pratique à coller ça. De quoi? Ça? Ça là? C'est une menteuse. C'est une petite attache. On peut poser n'importe quoi. Alors ici, bon, ça c'est la voie qui a été refaite. Tu vois, les dresser par rapport à tampon tout à l'heure, mais de voir si tu lâches, c'est pas trop de tampon. Et j'ai remarqué qu'on passe à l'eau dès qu'on arrive à l'eau, le catenaire il baisse. C'est fait exprès. Pour quoi? Parce qu'on descend, on est de hauteur, hein, ça dépend. Saint-Maur aussi. Saint-Maur, on voit le catenaire à l'œil nu, on voit qu'il descend comme ça. Et dès qu'il ressort, hop, ça remonte. Ah, vous rattrapez déjà l'autre? Vous n'avez pas de problème pour tourner ou... Ah non, mais mon problème de rentrer, c'est le problème d'arrêt. Bon là, ça va, le rail est bien, mais quand il commence un peu à cuisiner ou l'hiver, rajoute des feuilles et tout, l'humidité dans l'air, et
mais là on a tendance à glisser. C'est ça qu'il faut faire très attention. Attention, c'est au niveau du freinage. Et bon, les carrefours, ça s'arrête pas comme une voiture aussi, il faut se dire ça. Une voiture, ça peut s'arrêter net. Bon, une voiture, tu peux donner un coup de volant pour éviter éventuellement l'accident. Là, t'as pas d'échappatoire. Hein. Donc, tu t'arrêtes ou t'es dedans. Hein. Voilà, donc, c'est pour ça qu'il faut être quand même assez. En fait, il faut avoir beaucoup d'études pour être tramway. Maintenant, les futurs postes de conducteurs de tramway, donc nouveau tramway qui va. Donc, tous les conducteurs ont passé des tests, hein, donc avec des connaissances techniques. Et actuellement, ils sont en formation. La formation du nouveau tramway, tous les conducteurs passent 38 jours de formation. Donc, ils abordent tout ce qui est énergie, donc alimentation, tout ce qui est circuit hydraulique et tout. Parce que le nouveau tramway, on entend un circuit hydraulique. Donc, voilà un petit peu la. Et le futur tramway, il sera pas du tout comme celui-là. Alors, le futur tramway, déjà, le conducteur sera isolé, il sera dans une cabine. En plus, actuellement, on fait 2,20 m de large, on passera à 2,40 m. Il va faire 29,80 m de long. Hein. Celui-ci, on fait 20,57 m. Oui, c'est assez long. Ah, on n'a pas l'impression. Tu peux rajouter une cabine en plus, voilà. Actuellement, tu peux rajouter la moitié de tramway en plus. En fait, quand on voit ça, on a l'impression que c'est pas grand, ça ne ferait pas ces 20 mètres. Mais dès qu'on le fait, on imagine un peu et on le voit. Comment on s'arrête ici ? Non, parce qu'on laisse passer, ça sert à rien de suivre. Déjà, il y a une distance normalement sur plateforme, on doit respecter au moins 300 mètres. Un quart d'heure. Déjà, voilà. Et de plus, bon, ça sert à rien de suivre un service en sachant qu'on lui prend quand même son énergie. C'est un d'être derrière, parce qu'on prend l'intensité et puis en fin de compte, on le retarde aussi. Et là, il y a quelqu'un qui est plus sûr de demander, oui. Vous, comment vous faites pour l'éteindre? Voilà, en ouvrant les portes, hein, une fois qu'on est à l'arrêt. On a la possibilité, c'est un indicateur qu'on voit si une personne a demandé l'arrêt. C'est comme ça en plus. Mais c'est vachement puissant, une locomotive comme ça. Il y a deux. On a des puissances de 50 chevaux, 50 kWh au niveau de la motorisation en type 400. Donc deux moteurs de 50 chevaux au niveau de la puissance. L'alimentation ici, si tu as mieux, est en 600 volts. Est en 600 volts. Par contre, nous, en moyenne, l'alimentation sera en 750. Ça pourrait aller plus vite ou... Ben, les moteurs aussi, ça sera pas la même chose. On aura des moteurs à synchrone qui équipent le TGV. Le TGV, on aura la même motorisation qui va équiper le moteur de notre tramway breton. Donc ça va être vachement dangereux, ça. Bon, on aura plus de puissance, mais c'est pas le même principe. Il y a beaucoup de choses, la courbe d'accélération ne sera pas la même parce qu'on aura. On aura plus ou moins un automate qui va gérer la courbe d'accélération. Donc le conducteur, même qui pousse son levier de consigne à fond, c'est pas pour autant que derrière la machine elle va suivre la demande qui est faite par le conducteur. Il y aura une courbe d'accélération, il n'y aura pas une cassure. Par contre, maintenant, si je pousserai trop vite mon conducteur, je peux avoir une cassure, une courbe d'accélération et un décrochement. Tu vois, c'est différent. Ce n'est pas la même façon de conduire. Ça sera plutôt un machiniste. Donc c'est vrai, il y a des carrefours, c'est pour ça qu'il y a des moteurs aussi. Okay. Le carrefour devra quand même, bon, à un moment donné, c'est lui qui va devoir enclencher son freinage. Et à un moment donné, enclencher son accélération. Et en fait, comment on fait pour avoir... en fait, le matin, vous avez un certain nombre de tramways qui doivent partir. Oui. Si jamais en plein milieu, il y en a un qui doit... Je vais y aller. Comment vous faites? Qui doit y aller?
qui doit partir du dépôt et continuer un trajet. Comment vous faites? Bah non, tous les matins, bon, on a un plan de production. Tous les matins, bah, donc on attend le train pour le faire sortir. Et à un moment donné, bah, une fois que tous les trams sont sortis, donc ça veut dire qu'on a établi notre fréquence. Mettons actuellement, bah, le samedi, si tu aimes mieux, on tourne à une fréquence de 10 minutes. On a un tramway sur Roubaix, on a un tramway sur Tourcoing à 10 minutes. Tous les 10 minutes, on a un tramway. Mais le matin, pour arriver à cette fréquence, eh ben, il faut faire sortir autant de voitures, soit dans le sens vers Lille, soit dans le sens vers Roubaix ou Tourcoing. Et là, on établit un peu notre fréquence. On a un petit peu. En fait, vous mettez autant de kilowatts dans le... Ah là, c'est la distribution. Oui, mais là, c'est la distribution au niveau... Donc, on a plusieurs sous-stations. Où là, c'était mieux, c'est des postes... On dresse le courant pour l'alimentation, donc en 20 000 volts au niveau du dépôt. Et on a deux arrivées, hein, de 10 000, et on distribue donc le courant, à savoir que nous on l'utilise en continu. Il y a le parc Barbieux ou le Bolder? Bah, je sais pas qu'est-ce que ça. Apparemment c'est parc Barbieux qu'on s'arrête. Barbieux, souvent, c'est mieux, voilà, hein. Voilà. Du moment qu'ils peuvent parce qu'ils voudraient. Bah, ça serait mieux peut-être au parc Barbieux. On aura plus de place. Bah plus de place, on aura le temps de la fréquence. J'irai c'est ça. Bon, c'est bon, pour ça qu'on est sorti derrière le Roubaix. On leur a dit, ils ont 3 minutes, ils sautent, ils font les photos et ils remontent. Oh non, quand même pas, non. Ah, si, j'irai un bon 5 minutes, 5-6 minutes. Ouais, parce qu'il y a 8 minutes de fréquence et on est. Ah on ouais, est juste là c'est bon. Ouais. Ouais, donc je peux les rassurer, je leur dis que ça. Oui, quand même. Parce qu'ils sont inquiets. Ils voulaient faire des photos aussi après le croisement Roubaix-Tourcoing, mais on a dit ça, c'est un autre problème. Oh, si, ça, on peut à la rigueur manœuvrer. Il y a un aiguillage pas loin. Bon, je peux manœuvrer, ouais. Ça, c'est pas le. Ah bon, bah, d'accord. Ça, moi, je vais leur dire, problème. Ça va leur faire plaisir. Ça, c'est pas. J'irai, il y a un aiguillage pas loin. Ouais. J'irai dans le sens en revenant de Tourcoing. Là, ça sera plus facile. D'accord, donc en revenant de Tourcoing. Là, ça sera plus facile parce que là, on a l'aiguillage qui est à Foch. Donc là, c'est plus pratique. Bon, bah, je vais aller leur dire. D'accord, merci. Mais par exemple, si jamais l'arrêt, il n'y a personne qui demande l'arrêt. Bah donc le conducteur, il passe doucement au niveau de l'arrêt. Par contre, avec les nouveaux tramways, ça sera bien les choses. Parce que c'est les Bah là, tu vois, l'appel enregistré, à moins qu'elle est grillée, si on est. Donc là, tu vois, c'est l'appel enregistré qui est grillé. Nous, on a la fenêtre, ça veut dire qu'on est bien pris en compte. Quand il est rouge, l'appel est tout, marqué appel enregistré. Ça veut dire qu'on est bien pris en compte. Il y a un tramway comme ça à passer devant. Elle aurait pu prendre l'autre. Ah bah elle a raté. Oh c'est bête. Hein. C'est comme la dernière fois, on arrivait à peine à l'arrêt et le tramway il venait juste partir. je voulais vous dire, ce qui paraît, on a entendu qu'il y avait quelqu'un qui s'est fait tuer par un tramway. Il est traversé, il s'est fait écraser par un tramway. C'est un ouvrier qui, ouais, qui avait commencé son chantier avant et puis qui commençait le chantier dans la région. Et donc il a commencé avant. Et puis bon, c'est vrai qu'il s'est retrouvé sur les voies avec un parka foncé, avec une capuche et tout. Et donc le conducteur, il a vu vraiment à la dernière minute, en sachant que ça ne s'arrête pas comme ça. Bien sûr. Voilà comment ça s'est fait. Et il est pénalisé à un moment. Bon là, pas pour ça, parce que bon, il manquait derrière. Hein. C'est comme si quelqu'un pouvait jeter devant toi, en train de conduire, il a jeté devant toi, tu peux rien faire. Hein. Mais à savoir que bon, au niveau des conducteurs, quand ils ont des accidents, ils sont suivis, on les revoit en conduite et tout. C'est tout un suivi. D'abord.
concentré pour le parvenir. Maintenant, il est là, juste en face de lui. Là, c'est quel arrêt? C'est Boller. Voilà, donc c'est suivant. Et vous savez quand est-ce si c'est vous ou pas? Qui? Ça. Ah ouais, ça. Parce qu'on a un appel, donc on a un avion. Quand ça clignote? Quand ça clignote, ça veut dire qu'on nous appelle. C'est nous qu'on lance l'appel, et ça lui envers fixe. Passagers par jour. Alors, la dernière enquête qui rend 87 ont transporté 23 000 voyageurs par jour. Ça remonte en 87. C'est vrai qu'il y a eu une évolution. On rabat les correspondants, donc tu vois, ça risque de bouger, peut-être pas dans. Dernière enquête origine destination. C'est une enquête qu'on fait dans toute la journée, sur tous les services. Et donc on met des tickets aux gens pour dire on est monté à tel endroit et on redescend à tel endroit. Et donc comme ça on sait les voyages que les gens effectuent. Maintenant on va appuyer sur toutes les portes quoi. Mais avant, il faut attendre l'arrêt du véhicule et qu'on a bloqué les freins. J'ai bloqué les freins, c'est ça, tu vois. Si, si, voilà. C'est parti. Okay. En fait, hein, tant qu'on n'a pas ouvert, tant que les portes sont bloquées, on arrive. Même si on essaie on pourrait démarrer avec une porte ouverte. Par contre, avec un système de libre accès où les gens peuvent monter, descendre aussi, installer, on n'a pas la possibilité de monter. C'est de sécurité. C'est bien joué. Au-dessus. C'est bon. Il y en a un qui sort comme ça. Il sort pendant que le mec est sur la porte. Et même sur notre voie, on n'a pas sauvé. Ouais. Ouais, je vais sauter ça venait. Tiens, t'as vu la bourreuse, elle est là. C'est une bourreuse qu'ils ont à voie mythique, c'est exprès pour les travaux. Moi, dans un tramway ou dans un train, il y a qu'un seul un truc qui peut faire. C'est qu'il y a un moment où l'aiguillage fonctionne mal. Ouais, il faut vérifier avant. C'est différent, c'est du point d'aiguillage en point ou à talon. Ça aussi qui est différent. Vous n'avez pas appuyé sur l'appel? L'appel ne fonctionne pas. Donc attends, je vais appuyer dessus. Ouais, attends, j'y vais. Tu peux? Vas-y. Voilà. Voilà, impeccable. Eh ben on l'a, en plus, c'est super. Mais bon. Non. On a marqué un grand panneau sur tout le tramway, réservé. Ah.
moment qu'elle pouvait éventuellement traverser. Il faut toujours anticiper sur l'action des autres. Et c'est comme ça qu'on évite d'avoir des accidents. Ok. Ah, faut voir loin. Je comprends pas quoi. Eux ils ont vert et en bas nous on a rouge. Et eux ils ont le vert, ouais, mais parce qu'ils peuvent tourner aussi. Ah ouais. Voilà. Donc là on a tendance à faire. Après dans le on est pris en face, on attend d'avoir notre vert. Il n'y a plus quoi. Voilà. Man sieht ein paar kleine Probleme bei der Abfahrt. Man muss jetzt erstmal die ganzen Fotografen wieder einladen. So, und wieder ein Zug der Linie R in der Endstelle.
diese andauernden Fotostops gehen doch auf den Keks. Das war ein bisschen lang geworden.
Oh. Man beachte, falls es zu erkennen ist, die Fahrleitungsbauart. Gestern an der Haltestelle ein wenig verwundert.
Thank you.
Est-ce qu'il y a un arrêt prévu sur la feuille de route entre deux? Bon, on peut s'arrêter. Normalement, on avait parlé d'un pont, donc on peut s'arrêter à ma campagne. Après, il y a pourquoi? Parce que, bon, il faudrait pour un bien qu'on soit rentré entre 3h30 et 4h moins le quart à Lille. Hein. On sera normalement pour moins 20. Moins 20 à Lille. Ouais. Bon. Moins 20, il y a le pont. Pont hydraulique, je crois. Il y a le pont hydraulique. Ouais, c'est ça. Là, il y a des belles photos à faire. Bon, il faut peut-être mieux s'arrêter une fois passé le pont, ce moment-là. Voilà, où la traversée s'arrêter avant et puis faire la traversée, parce qu'il y en a qui aiment bien photographier pendant la traversée, donc oui. Éventuellement si ça les intéresse. De toute façon, on est limité par l'arrivée aussi. Hein. Ouais, bah là on est toujours à 10 minutes. Hein. Ouais. On se rapproche. Ça vous gêne pas le caméra? Non, non. Foncer vers le poteau. C'était la route qui bouge. Ensuite, en fait, ils sont pas loin de la courbe, les poteaux. Ouais, ouais. Ouais, après, on va prendre 10 cm de chaque côté. On devrait mettre un truc là, une sorte de feuille. Tu sais, convoi de Dutch. Exceptionnel. Alors, marqué un. Thank you.
Le film, c'est est-il encore le pilote de l'avion? Le mec qui est en train de se raser, et comme il y a des problèmes, le truc aussi, il gratte, il se coupe tout partout. Et dès qu'ils arrivent sur la lune, hop, il stoppe. Le mec, il met de l'alcool à 90 degrés. On l'entend gueuler, et après, il nous montre le truc de la terre, et on l'entend bien. Et sous société de voiture, on peut un moteur ou deux, ou un ou là. C'est de faire directement. Travailler sur un moteur ou travailler sur l'autre. Si éventuellement on a un moteur de grenier. Si jamais. On a un moteur de grenier qui est foutu, c'est un mieux, ben on peut travailler sur l'autre moteur. Là actuellement, on travaille sur les deux moteurs. Si jamais on est avant, on retire la tête. Comment? On ne peut pas retirer la tête. Comme là, elle reste bloquée. C'est comme une voiture, quoi. Faut aller si je pars. Sinon, on ouvre la clé, il part. Et il oublie d'éteindre le contact. Sur Arc. Sur Ruc. Actuellement, on est en train de remplacer toute la voie. C'est un amortisseur. Actuellement, bon, la voie est en train de travailler, mais après, ils vont redresser la voie, donc on va tasser le ballast un peu plus. Déjà 14h40. J'ai pas encore mangé. Non. J'ai mangé à 10h, j'ai mangé un petit déjeuner. Moi j'ai fait ma journée de travail ce matin, 4h30. Ça vous laisse pas? Comment? Ça vous laisse pas? Ça vous laisse pas? Ça vous laisse pas d'être autour d'un contrôleur, vérifier les billets? Ah, je vérifie pas le billet. Non, moi je m'occupe du personnel, tout ça. Attribution de service, ordonnance, bon, on les appelle. Moi, je ne suis pas du contrôle. Das ist absolut verpasst.
Tu veux dire quoi par haleine? Alors c'est au niveau de l'attribution, au niveau du moteur. Donc quand on est en série, c'est-à-dire on a 4 moteurs, on distribue 150 volts par moteur. Voilà comment la distribution se fait. Par contre, quand on est en parallèle, on distribue 300 volts, je dirais, par groupe moteur. C'est-à-dire un groupe moteur, ça représente 2 moteurs, donc on reçoit chacun 600 volts. En sachant que le... Je ne sais pas si tu as vu en dessous, on appelle ça un bogie. Donc où il y a les roues. Il y en a 4 là. Ouais. Devant, il y a au milieu et derrière. Celui du milieu, il n'y a pas de moteur. Celui à l'avant, à l'arrière, il y a 2 moteurs sur chaque. D'accord. Et donc, au niveau de l'alimentation, on appelle ça un gros moteur, donc ça représente 2 moteurs. Donc, quand on est en série, on envoie 150 volts de moteur. Donc, les 4 moteurs, on reçoit 150, ça fait 600. Par contre, quand on parle de parallèle, l'alimentation, elle est 600 par un moteur. Donc, chaque moteur reçoit 300 volts. Donc, c'est ça qu'on prend les couleurs de puissance. Der Mann ist jetzt kommt zu mir an und sagt, der Lokführer hat gesagt, weg. Der Mann der Lokführer hat mir gesagt, der Albert. C'est là, il y a aussi un arrêt. Comment ça, il pleut, il y a le bus. T'aimes bien les nouveaux arrêts? Ouais, ils sont beaux. Et normalement, il y aura des distributeurs de titres et tout là-dessus. Et il va y avoir une information vidéo et il va tout, ça va t'indiquer un tramway en direction de Tourcoing dans 3 minutes, dans 4 minutes. Franchement. Et tu auras des composteurs sur les arrêts. Comme on dit, ça va être cool. Ouais. J'espère que les trucs vont être fermés parce qu'ils sont encore capables de piquer. Les... Ils seront même capables de casser un carreau pour aller piquer une place. Des générations d'amateurs. Et 3 milliards d'années pour arriver là. Vous avez vu le numéro dinosaure qui est sorti? Non. Si vous voyez, il y a 10 francs. On peut faire un squelette dedans, il y a des lumières, il y a des lunettes pour voir en 3 dimensions. Les 3 dimensions, ce sera vers les 10, 11, numéro 11. Et là, on peut voir en relief. Et tout ça, Plus le livre, les informations et tout ça. On a même l'abonnement, on peut avoir des reliures. Si jamais on s'abonne, on peut avoir des magnettes. Vous savez ce que c'est? Non. C'est des petites lunettes magnétiques, quoi. Qu'on met sur les fers et tout, quoi. C'est un aimant, quoi. On représente des dinosaures. Des reliures. Tiens, il y a 3 mois en face. On aime bien se repérer les 3 mois. Ils sont rouge et blanc. On va refaire. Pourquoi la couleur va changer? On va devenir quelque chose. Je sais pas.
j'ai envie d'allemand. Vous êtes trilingue, quoi. Ouais, bon, c'est longtemps que je veux pratiquer, hein, je ne pratique pas. Hein. Moi, je suis encore en cours. Eisenbahn nach Hessischen Turkwan und Allemagne und Brenner. Das war bien. Aber là, ils ont... on est en train d'étudier le poste, le préfet. Ah ouais. Ah, moi j'ai arrêté. Hein. Ouais, il y a 21 ans. Hein. Quand tu pratiques plus. Bon, combien on peut, de temps, ça, on peut s'arrêter de temps Largement. Alors, je vais m'arrêter. Ce que je, moi, je vous propose, je vais m'arrêter avant le pont. Oui. Comme ça, s'ils veulent prendre des photographies pendant la traversée, on les prend au-dessus du pont. Ah, d'accord. Alors, donc, ça leur permet, là, on arrive à faire des belles photos. Oui. Ah, donc, je vais m'arrêter avant le pont. Vous traversez à vide. Ah, voilà. Et puis, je les reprends voilà, à l'arrêt de l'autre côté. Bon. D'accord. Ça permet, comme ça, ils ont largement le temps. Oui, les cônes. Straßenbahn. Stop. Alors qu'il faut attention en traversant parce que là il y a une voiture. Hein. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est là où vous regardez, vous voyez un truc orange, c'est un coup là-haut. Combien 3-4 minutes. Ah ouais, bah là tu vends, hein, donc on a largement. 4 minutes. Ouais, 4. Oui, 305 APC. Oui, je vous écoute, 305. Bon, c'est Jean-Marc, c'est pour te signaler qu'il y a un brise-glace donc à l'arrêt, donc pont hydraulique dans le sens vers l'île, bien reçu. Bien reçu, mais comment il est cassé, Jean-Marc? Parce qu'on vient de me donner l'appel, donc je ne sais pas dans l'état qui est. Ben, le panneau horaire est à terre aussi. Hein. C'est dans l'état des panneaux horaires ? Ben, c'est quand même assez dangereux parce que... conseil, d'abord on perdra pas plus de temps, c'est à Gustadon de descendre. Ouais. Comme ça ils auront ici un petit peu la courbe, hein, et ils pourront prendre aussi l'arrivée en gare routière. Ça leur permettra d'avoir de belles photos. Et vous, vous faites la manœuvre au bout, hein, d'abord là je serai au bout, donc il n'y aura aucun problème. Ça, ça leur permet d'avoir de bonnes photos. Et ils reprennent Et là-bas on les reprend en terminus. Voilà, ouais. Hein, comme ça, surtout que c'est pas loin. Thank you.
stand, comme ils veulent. S'ils veulent prendre des photos. Ceux-là, d'accord. Voilà, je ne sais pas s'ils veulent. Eh bien, ceux qui veulent. Jetzt an der Streckenverzweigung nach Roubaix und Tourcoing oder Tourcing oder wie sie auch immer heißen mag. Und hinter unserem Sonderzug ein Zug der Linie T. Thank you.
Vorhand. So, das ist jetzt die Strecke zum Bahnhof in Lille.
So, wir sind jetzt bei der Museumstraßenbahn in Lille, Amitram genannt, und hier zu sehen ein älterer Zweiachser. So wie dieses Spezialmodell in weiß-blau. So, und hier nochmal aus anderer Perspektive. Wir werden jetzt zurückfahren. So, am Draht ist er. So. Ja, ja. Die war ja früher anders. So war die ganz früher. Dann war die Einheit. Immerhin erfährt. So, das ist jetzt die Strecke der Museumstraßenbahn und im Hintergrund zu sehen ein gewisser RP. Thank you.
perfekt. Hervorragend. Einer schafft das immer. Also an der Weiche muss der Stangenstromabnehmer umgelegt werden. Auf dem Anhänger. Ach, da war mal im, in diesem kleinen Heft Drehscheibe hieß es. Gesehen noch nicht. Das war aber kein April-Scherz. Na? Fährt er oder fährt er nicht? Das weniger, aber egal, damit muss man leben. Außerdem, das soll man nie zu eng sehen. Kleine Schwenkrolls. Schwenk? Mit dem Boot? Nee. Go!
Auch zum Bestand der Amitram gehört dieser alte französische Bus, mit dem wir heute auch gefahren sind, beziehungsweise noch gefahren werden. Bemerkenswert bei diesem Fahrzeug die Position der Fahrersitze sowie die Abgaswerte, die wir eben erleben durften. Und das war's heute bei der Amitram.